Hey, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en mode zombie. Vous avez été très nombreux à me demander de refaire des glitches sur Black Ops 4. Ne vous inquiétez pas, il va y en avoir. J'aimerais simplement finir de faire ce que j'ai à faire sur Black Ops 3 avant de me réattaquer aux glitches sur Black Ops 4. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, je vous propose une vidéo de glitch. Nous sommes aujourd'hui sur la carte Blood of the Dead. Alors, le glitch que je vous présente, je le fais aujourd'hui sur Blood of the Dead. Mais il faut savoir que ce glitch fonctionne sur toutes les cartes sur lesquelles vous avez la possibilité d'avoir le sable de Takeo. Autrement dit, toutes les cartes qui comportent les spécialistes de l'éther. Les spécialistes de l'éther, pour ceux qui ne savent pas encore, ce sont donc les Ragnarok, le sable de Takeo, la machine de mort et le lance-flamme. Dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer un glitch pour avoir de l'XP en illimité ainsi que des liquides de plasma d'hélium en illimité. Et ça, sans passer des manches. Alors vous allez voir que le glitch, il est très simple à faire. Et il est disponible sur toutes les plateformes. Mais avant de commencer la vidéo les amis, comme d'habitude, vous connaissez les bails, j'aimerais qu'on atteigne la barre des 50 likes pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de me montrer que vous soutenez la chaîne. Et ceci étant dit les amis, place au glitch. Alors avant toute chose les amis, avant de commencer à faire le glitch, il vous faudra impérativement deux choses dans votre partie afin de réaliser ce glitch. La première, c'est le sable de Takeo. Vous n'aurez pas besoin de le monter hein, au niveau 3, juste de l'avoir sur vous. Et il vous faudra également les clés morts. Ce sont les deux seules choses qui seront obligatoires afin de faire le glitch. Alors pour faire le glitch, les amis, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer une partie normale. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter à peu près jusqu'à la manche 4 ou 5 afin d'avoir votre spécialiste chargé. Alors vous pouvez le faire avec un élixir. Mais bon, voilà, je vous conseille quand même pour le glitch de monter à la manche 4 ou 5. Ce que vous allez faire maintenant, c'est vous placer devant cette armoire et vous allez voir qu'on ne peut pas poser les clés morts. Donc, ce que vous allez devoir faire pour le glitch, c'est sortir votre spécialiste et immédiatement derrière, spammer la touche pour les grenades. Vous sortez votre spécialiste et vous spammez comme si vous voulez sortir à chaque fois vos clés morts. Vous spammez, vous spammez, vous spammez et vous n'arrêtez pas de spammer. Et là, vous êtes en train de faire le glitch. Alors, le glitch, il est bien évidemment plus pratique, j'ai envie de dire, pour ceux qui utilisent des Chronus Max ou des Strike Pack en mettant sur leur touche sur Turbo, etc. ou en faisant des scripts, donc avec le Chronus Max, comme je viens de vous le dire. Donc ce glitch il est beaucoup plus simple en utilisant ce genre d'appareil, mais là vous voyez que ça fonctionne quand même. Alors ce qui va se passer c'est qu'en fait, en faisant ça, vous allez sortir à chaque fois votre spécialiste, ça va tuer entre guillemets les zombies qui sont à côté de vous, mais ils vont respawn en illimité. Ce qui fait en fait que vous allez donc faire des kills, vous allez faire des points comme si vous jouez normalement, sauf que vous ne passez aucune manche. Donc je trouve que c'est vraiment une astuce qui est très simple à réaliser et qui permettra à nombre d'entre vous de monter leur niveau, de monter leur liquide de plasma d'hélium et ça sans vraiment se prendre la tête. Je trouve que c'est un glitch vraiment énorme car vous allez voir que les liquides montent quand même assez rapidement et l'XP monte aussi également. Alors moi on va pas forcément le voir parce que moi je suis déjà au niveau 1000. Ce glitch à moi me servira juste pour faire des plasma d'hélium, mais encore une fois pour ceux qui veulent encore monter leur niveau, qui sont encore dans des bas niveaux ou qui ont toujours pas passé leur prestige, je vous conseille vraiment cette astuce. Donc là les amis, comme vous le constatez à l'image, j'ai fait une petite coupure afin de revenir un peu plus loin dans ma partie pour vous montrer comment le glitch fonctionne. Donc là vous voyez que j'ai plus de 400 000 points alors que je n'ai toujours pas passé la manche 4, ce qui est assez extraordinaire. Donc en fait je tue des zombies mais ça ne passe pas les manches, en fait je les tue comme ça en illimité sans passer les manches. Ce qui fait que je gagne donc de l'XP, je vais gagner des liquides, etc. Donc c'est vraiment énorme. Là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement quitter la partie afin de vous montrer combien j'ai gagné de liquide. Donc je pense pas que j'en aurai énormément parce que là j'ai fait que 400 000 points. Je pense que pour que ça soit vraiment rentable, essayez de monter au maximum de points, c'est-à-dire 4 000 points à peu près. Là je pense que vous allez vraiment vous gaver en liquide. Là vous voyez j'ai gagné 73 liquides. Alors en plus on est en double liquide. Donc franchement 73 liquides en ayant fait aucune manche. C'est quand même assez intéressant. Donc moi je pense que c'est un glitch qui vous permettra à beaucoup d'entre vous en tout cas de pouvoir se faire plaisir. En plus donc au moment où je tourne la vidéo, il y a donc comme vous voyez en haut à droite de l'écran du double XP, du double XP d'armes et il y a surtout du double plasma d'hélium. Alors je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira ça sera toujours d'actualité parce que c'est vrai que des fois Treyarch nous met ces trucs là et après il les enlève. Donc j'espère en tout cas que ces doubles liquides seront toujours présents. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, le glitch sera quand même assez rentable hein, comme vous pouvez le constater à l'image. 73 liquides en ayant joué quoi une heure et en ayant en ayant passé aucune manche. Donc encore une fois, il y a que pour l'XP que je peux pas trop vous le montrer, encore une fois, j'en suis désolé parce que ben moi je suis déjà au niveau max, mais faites-le chez vous et vous allez voir que vous allez vraiment monter
énormément vos niveaux et vous allez également gagner énormément de liquide. Alors ça, je pense que ça peut vous intéresser également parce que c'est vrai que comme sur Black Ops 3, c'est quand même assez difficile d'obtenir des nébuliums qui nous intéressent, comme accro des atouts, etc. Donc il y en a qui sont beaucoup plus durs à voir que d'autres. Je peux comprendre la frustration de certains. Et j'ai envie de dire que peut-être grâce à ce glitch, ça va vous permettre tout simplement de gagner beaucoup plus de liquide et de vous faire plaisir. En tout cas, c'est le but de mes vidéos. Le but de mes vidéos, c'est de vous aider. Voilà, d'aider la communauté, en tout cas, qui aime faire les glitchs, qui aime pas se prendre la tête. Enfin bref, vous l'avez compris, mon but à moi, c'est de vous aider, de vous faire partager un petit peu les choses que je connais, afin que vous puissiez également, vous, de votre côté, en profiter. Et que vous pouviez également, vous, de votre côté, kiffer tout simplement, jouer sur le mode zombie de Call of. En tout cas, c'est le but de mes vidéos. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de la vidéo si vous avez testé le glitch de votre côté, si vous a été utile et si vous avez pu obtenir pas mal d'XP et de liquide grâce à ce glitch. Ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu les retours dans les commentaires sur mes vidéos pour voir à quel point les vidéos, tout simplement, vous sont utiles. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me faire part de vos avis. Si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 10 000 abonnés. C'est le nouvel objectif de la chaîne et je pense qu'ensemble on peut le réaliser. N'oubliez pas pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne que vous pouvez avoir accès à mon lien Utip qui est dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne de manière financière, soit en faisant des dons, soit en visionnant des pubs. C'est sur Utip que ça se passe et c'est dans la description de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description également de la vidéo. C'est très important d'aller checker la description, les amis. Pour ceux qui veulent me parler, notamment en privé, c'est dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.